Chers téléspectateurs, bienvenue. Henri van der Wecken, bonjour. Bonjour Lydie. Henri, tu nous as vraiment mis en appétit la semaine dernière et tu nous as promis de rentrer un peu plus dans l'histoire de l'archéologie biblique et surtout de nous initier un petit peu aux fouilles. Est-ce que ça ne va pas être trop difficile? Ça restera très compréhensible, ne t'en fais pas. Dis-moi, quand commence l'archéologie en général et l'archéologie biblique en particulier? On sait déjà que dans la haute antiquité, en Égypte par exemple, il y a un des pharaons, Thoutmôsis IV pour le nommer, qui vers 1400 avant Jésus-Christ a fait désensabler le sphinx. On le sait parce qu'on a trouvé entre les pattes avant du célèbre sphinx de Gizeh, on a trouvé une stèle et sur cette stèle, Thoutmôsis IV a rapporté qu'un jour, en tant que jeune homme, il était endormi à l'ombre de la tête du sphinx qui émergeait du sable. Donc le sphinx était entièrement ensablé, sauf la tête. D'accord. Et il rapporte sur cette stèle que la divinité lui a dit « Si tu me libères du sable, je ferai de toi un pharaon ». Et dans la stèle, il raconte qu'il a fait désensabler le sphinx et qu'il est donc devenu pharaon. Alors, est-ce que c'est déjà de l'archéologie avant la lettre? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, mais enfin, on se comprend. On peut peut-être quand même quelque part mettre une date ou une période où l'on peut parler d'archéologie au sens propre du mot. C'est peut-être en 1798, lorsque Napoléon Bonaparte va entamer une campagne militaire, surtout, en Égypte et en Palestine, campagne militaire qui va d'ailleurs se solder par un échec face aux Anglais, mais il amène avec lui toute une troupe de savants, de géomètres, de dessinateurs, d'historiens. Ils sont à peu près 170 qui accompagnent l'armée. Et puis un an après, un soldat va faire une tranchée près d'un endroit qui s'appelle Rosette, près de la Méditerranée, et il va tomber sur une pierre inscrite, une pierre en basalte noir, à peu près la grandeur ici de notre table. Et cette pierre, que l'on appelle depuis lors la pierre de Rosette, évidemment, comporte trois écritures différentes. Il y a du hiéroglyphique, du démotique et du grec. Et c'est cette pierre-là qui, bien des années plus tard, 24 ans plus tard, va permettre à un certain Jean-François Champollion de percer le secret des hiéroglyphes. On peut dire que l'intérêt pour l'Antiquité est définitivement lancé. Quels ont été les noms marquants et les étapes importantes de l'archéologie au Proche-Orient? Au niveau biblique, je dirais, il y a un nom qui sort du lot. C'est un homme, un Américain, un bibliste, un expert en littérature biblique du nom de Edward Robinson. C'est lui qui, en 1838, va à Dochamo parcourir le Sinaï et la Palestine. Et il a comme idée, une intuition géniale qui s'est avérée exacte, que les noms arabes des lieux doivent avoir gardé la consonance des noms hébreux de l'Antiquité. Et il demande donc aux passants, aux habitants des villages, comment s'appelle tel lieu, quel nom il donne aux endroits, aux collines, et ainsi de suite. Et il va effectivement faire une topographie. Il va par exemple, en deux jours, réussir à identifier 8 sites bibliques au nord de Jérusalem, dont la fameuse Gabaon qui est mentionnée dans la Bible. Sans faire des fouilles, il va dire, bon, ça doit être ça, ça doit être ça. D'accord. Et bien plus tard, lorsque des fouilles ont été faites, on s'est rendu compte que c'était absolument exact ce qu'il avait perçu dans ce lien entre les noms arabes et les anciens noms en hébreu. Puis débute, quelque temps après, les fouilles en Mésopotamie. Et on va, par exemple, découvrir les noms de rois assyriens comme Salmanazar, Tiglath-Pileser, Sennachérib, qui sont mentionnés dans la Bible. On va petit à petit déchiffrer l'écriture cunéiforme, c'est-à-dire une écriture faite comme si on avait mis des clous dans de l'argile et en mettant deux barres, trois barres de clous. D'accord. Ça donnait une écriture. Et sur des stèles et des inscriptions assyriennes vont en même temps
apparaître des noms de rois d'Israël, comme Akab, par exemple, ou Ézéchias, ou Menachem, qui sont des noms qui sont mentionnés dans les rois bibliques, et surtout aussi, par exemple, le nom du roi Jéhu. Alors là, c'est intéressant, parce qu'on a trouvé au XIXe siècle un obélisque noir de Salmanazar III, où on montre que le roi biblique Jéhu, son nom est d'ailleurs explicitement mentionné, paye un tribut et s'agenouille devant le roi Salmanazar III. Alors ça, à nouveau, c'était tout à coup un personnage que l'on ne connaissait qu'à partir de la Bible, le roi Jéhu, mais dont on trouve le nom mentionné et l'effigie présentée sur une stèle que l'on trouve en Mésopotamie, c'est-à-dire à des milliers de kilomètres de là. Donc, quand même une découverte intéressante. C'est tout à fait extraordinaire, à vrai dire. Oui, et il faut être conscient qu'à l'époque, donc au XIXe siècle, c'était l'époque des Lumières, hein, on est après la Révolution française, oui, et on commence à dire, mais la Bible, ce n'est pas vrai, c'est de l'invention, tous ces personnages, c'est de la pure invention. Et au moment où la Bible est mise en doute, voilà que se développe la science archéologique, et voilà que l'on trouve plein de noms, de lieux, dont la Bible était la seule à parler jusqu'alors. Coïncidence ou pas? Chacun en tira ses conclusions. Un autre nom, je pense, important dans l'archéologie en général, va être un homme qui s'appelle Flinders Petrie. Pourquoi? Parce que en 1890, il se trouve devant une colline qui est faite de ruines superposées, de villes, et que l'on appelle en arabe Tel, T-E-L-L. Il se trouve devant le Tel el-Ezi. Et ce tel, à cause d'une forte pluie qui venait d'avoir eu lieu, a été creusé sur un de ses flancs. Et quand Flinders Petrie arrive là, il remarque, il voit les couches différentes d'occupation, un peu comme un gâteau que l'on couperait, hein, et dont on voit les différentes couches superposées. Et il va se rendre compte que les morceaux de poterie qu'il voit dans les différentes couches, quand il va les examiner, ont des formes différentes, des structures différentes. Celles qui sont le plus bas dans le tel sont très sommaires, sont grossières. Mm-hmm. Celles qui sont les plus récentes, en haut, les dernières couches d'occupation de l'endroit, vont être beaucoup plus affinées, beaucoup plus fines. Et il va avoir cette conclusion géniale que la poterie évolue rapidement, parce que c'est un objet qui se casse rapidement, très parfois facilement. Peut-être lors de disputes familiales, hein, quand on se jette des poteries à la tête les uns des autres, mais que des poteries peuvent très rapidement évoluer dans leur forme, parce que, comme elles se cassent, on peut dire au potier, j'aimerais que ce soit un peu plus large, un peu plus fin, un peu plus haut, un peu moins gros. Voilà, apporter les modifications nécessaires à la vie de tous les jours. Et ce sera donc Flinders Petrie qui dira à un certain moment cette phrase historique, il va dire « La poterie est l'alphabet de l'archéologie », voulant dire par là « La datation de couches d'occupation peut se faire à partir de formes de poterie qui, dans une même région, dans une même contrée, doivent avoir suivi une évolution identique. Et si on peut donc dater une première fois les formes des poteries, ultérieurement, quand on trouve certaines couches à d'autres endroits, on peut dire ben, c'est pratiquement identique, donc c'est à peu près telle ou telle période de l'histoire. Alors, j'ai ici, comme tu l'as déjà vu sur la table, quelques morceaux de poterie. Elles sont tout à fait authentiques, elles sont anciennes. Certaines datent de l'époque gréco-romaine, d'autres sont plus anciennes. Mais juste pour illustrer nos propos, voici par exemple le dessous d'un plat ou d'une grande coupe, et tu vois déjà la grosseur ici de cette coupe, et à l'intérieur, on voit même les doigts du potier. Hein, donc c'est vraiment très simple, ça a été fait à la main, ça n'a même pas tourné à l'intérieur, à l'extérieur oui, mais on voit les traces. Très authentique en tout cas. Ah oui, absolument authentique. On verra par exemple qu'à d'autres moments de l'histoire, ce sera déjà
moins gros oui. et plus affiné. C'est autour. On voit même ici l'intérieur, on voit le dernier tour voilà. qui a été fait. Ou alors, on trouve encore des poteries plus fines. Celle-ci est d'ailleurs intéressante parce qu'elle comporte un dessin sur l'extérieur et probablement lors d'un incendie de la maison. Cette poterie a été durcie par le feu lors d'un incendie. Ou alors, on trouvera encore à une époque ultérieure des poteries encore beaucoup plus fines. Et on le voit ici avec même des dessins. Là, c'est déjà beaucoup plus affiné. Oui. Donc, ceci pour montrer que cette évolution des poteries, somme toute, elle est logique. On la comprend aisément. Mais il fallait le génie d'un Flinders-Petri pour vraiment dire, OK, ça va nous servir de datation. Je fais un lien avec des textes bibliques qui parlent aussi de poterie, de jarres en terre cuite ou de cruches. Je pense à l'histoire de Gédéon avec ses 300 hommes qui cachent des flambeaux à l'intérieur de cruches oui. et qui, au moment de la bataille avec les Madianites, vont les casser. Il oui. y a aussi l'histoire dans l'Évangile de cette femme samaritaine qui vient puiser de l'eau avec une cruche. Exact. Ou même de Paul oui. qui parle, qui dit que... le trésor de Dieu, nous le portons en nous comme dans un plat ou dans un vase d'argile. Oui, c'est ça, qui est friable, mais qui peut quand même voilà. porter quelque chose de Tout très beau. Hein, le contenant et le contenu. Oui, pour ma part, je pense toujours avec émotion à un texte du prophète Jérémie dans l'Ancien Testament, où Dieu lui demande un jour d'aller dans la maison du potier. Et alors, oui. il est dit dans le texte biblique, « Je descendis ». Et je trouvais le potier qui travaillait autour. Et la parole de Dieu me fut adressée, « Maison d'Israël, ne pourrais-je agir envers vous comme ce potier ? Car comme l'argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main. » Alors, en comparaison, on peut dire que nos vies sont souvent un peu comme des poteries cassées, hein, et Dieu doit recoller les morceaux, ou tout simplement il doit tout refaire. Mais c'est une image très belle qui montre à la fois la fragilité de la vie, mais à la fois le lien que l'être humain peut avoir avec Dieu. Henri, il y a certainement d'autres noms d'archéologues qui ont joué un rôle important dans l'archéologie biblique. Oui, au pêle-mêle, je nommerai quelqu'un comme Charles Warren. Nous en parlerons en détail quand nous aurons l'occasion de parler de Jérusalem. Il y a Heinrich Schliemann, qui est celui qui va faire les fouilles à Troyes, l'ancienne ville de Troyes par exemple, Hugo Winkler en Turquie, William Albright, Kathleen Kenyon, surtout en Israël, Yigael Yadin, bon, plein de noms. Et puis il y a pas mal d'archéologues français de renom. Il va y avoir Charles Texier, Paul-Émile Botta, Auguste Mariette, pour ne nommer que les plus anciens. Henri, merci pour toutes ces informations fort intéressantes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Avec vous, chers téléspectateurs, mais pour parler de quoi ? Alors, la semaine prochaine, je t'invite à aller en Égypte. Formidable ! Alors, la semaine prochaine, préparez-vous pour aller dans ce pays rempli de mystères et de richesses. À bientôt, chers téléspectateurs. À bientôt.